18 moun pou pepiti ki identifié comme bandi perdu la vie pendant opération mardi 27 d'août 2024 là kont gang armé nan quartier Belè kap simen la troublaille nan Solinoto sans compter environ centre-ville Port-au-Prince selon directeur exécutif réseau national kap défendre droit moun nan Pierre Espérance. Plusieurs nan bandi sa yo ki perdu la vie te gen sou yo zam a feu selon RNDDH ki mande police nationale d'Haïtien pour continuer prend précaution pour éviter population civile nan pas victime pendant opération sa yo. Trois agents police nationale d'Haïtien blessés pendant opération mardi 27 août 2024 là agent sa yo a pour recevoir soin que cas nécessité selon institution la police là. RNDDH qualifié AXA comme un acte terroriste action criminelle bandi améo qui risquait mourir si au pas remettre zam yo gen nan men yo ak la police. Sécurité a doit plus gros priorité dans pays d'Haïti nan moment ça selon organisme kap défendre droit moun. Nan yon note pour la presse, syndicat police nationale d'Haïtien SPNH 17 mandé institution la police là pour prendre disposition ferme kap permettre yo mener opération sous plusieurs semaines pour démanteler totalement foyer gang armé yo youn après l'autre dans pays d'Haïti. SPNH 17 mandé directeur général police nationale d'Haïtien Normil Rameau pour joindre pi bon stratégie pour organiser opération sa yo qui diminue risque pour policiers yo victimes. Moi c'est Yves Manuel, depuis Port-au-Prince, pour Véroa Creole. La police termine l'opération bien, puisque trois jours l'opération termine là. Et nous, la police n'a pas vu abandonner, la police n'a pas vu bypass. Et nous bien content tout, parce que nous critiquons. Mais je ne veux dire là, si nous voulons féliciter, parce que nous avons trois jours là, et nous sentons plus à plus les accords qui se chargent quand. Parce que qui s'est allié? Nous sentons plus bon, nous avons plein de rounia, parce que nous avons fait TikTok, nous avons fait voice, nous avons plein de rien. Et nous avons souhaité pour la police à qui est bien sous la même dynamique là, parce que qui s'est allié? Dynamique, c'est la police à Kébé là. Si toutefois la police a abandonné ou bien elle casse les dynamiques, ben, on va retourner à plus force. Et que la police Kébé ça, ouais, ça m'a regardé là. Moi-même, témoin que ça m'a regardé qu'a fait là, dans zone là. En passant de Delma 18, rivé par Kafou Pays, en rivé le marché, Solino, pour rivé Maya, Delma 6. Si la police Kébé pendant 15 jours comme ça, pour assiéger l'espace là, même jour assiéger là, pas quitter moto, pas quitter mon kilé, pas quitter mon entrée. Parce que ça lié, dernier mois, ok, moi, on est capable de battre les gars. Moi, je dis ça sur les zones, pour tout le monde. Mettez au sommet, bon, là, nous, qu'est-ce que ce machin? Quand on voit caoutchouc, ton gros caoutchouc, moi, on cap pousse son caoutchouc. Les BI portent pour ça, ouais, les gars, cap pousse caoutchouc. Ok, les gars, ça lié, en d'un caoutchouc, j'ai balle, mais ça pote pas les gars. Elle dit, les gars, créez toute stratégie pour balancer les jeunes. Opération intervention la police a fait dans Solino, Bel Air avec Delma 24. Est-ce que il y a un bilan? Vous parlez de plusieurs et dizaines de bandits qui t'a tombé. Est-ce que bilan ça nous capable de faire confiance? Bon, bilan, c'est le monde qui est sur le front de Kabao. Moi-même, on peut faire confiance, c'est parce que les gens pile, moi, je dis, parce que les gens de communication, moi, je tombé, nous t'en disons qu'à parler, parce que la population civile, la jeune garde de communication, nous t'en disons pas d'entrer, nous t'en disons ça qui passe entre eux. Mais pour nous donner un bon bilan, parce que chiffre là, nous ne pouvons pas mentir dans le chiffre. Bilan, c'est le monde qui est sur le front, c'est soit tout Kabaili, c'est la police qui a un bilan. Mais si nous avons combien de bandits, oui, il faut aller mentir, il faut aller son mentir, parce que moi-même, pas sur le front, je suis en bataille là, mais la bataille là continue, je ne vais pas la voir, il y a beaucoup de bandits qui sont là. C'est la police qui a mis avec un décompte, qui a dit, mais ça a récupéré, mais combien de bandits, oui. Mais si nous avons un bilan, c'est menti. Mais sauf que je connais, il y a une population civile qui a pris balle. Mais pour moi, je suis contrôlé, il y a 5 personnes qui prennent balle perdue. Parce que les balles qui sont en balle, il y a des gens qui sont capables de passer à l'éducation nationale comme celle ou qui prennent balle là. On est capable de passer à pour bloc qui prennent balle là. On est capable de passer à l'UE, bon, l'Olympique Market là, ou qui prennent balle. C'est-à-dire, ou qui prennent balle perdue. Ils ont toujours appelé à reprocher la police, d'après avoir c'est dans Chablin de l'OET, ils ne mettent pas pied à terre. Est-ce que les différents, je dis, dans la zone Essolino, Badelma et Delma 24? Les différents. À tel point qu'il y a un peu de critique pour les soldats qui viennent, parce que les soldats qui viennent de la police, vous mettez dans le char, vous battez des sons, vous avez une instruction aux jeunes. Parce que ça font pile les mots là, la population sorti là pour vous. Bon, on connaît, on a fait manifestation contre ça, parce que les soldats, soit ils tapent tout, ils ont fait pied sol, les soldats qui viennent, les policiers qui viennent, ils étaient dans le char. Donc ça font pile discussion là, bah qu'on essaie d'instruction par jeune parce que moi-même pas sont profane dans la sécurité, mais moi je bagaille. Si grosse chaîne de sécurité, si grosse opération pour faire, faut tout le monde, quel était militaire haïtien, FADH, quel était Kenyan,
quelle est police nationale, sans bon seule chaîne de commandement. Je ne sais pas si vous avez fait pour le commandant Kenya, c'est lui qui a fait Kenya au Lord, commandant Ramo, qui a fait police au Lord, et général Kirby, Jeffrey, qui a fait ami au Lord. Je pense que c'est l'opération qui a fait. Il faut mettre tout le monde dans le seul commandement. Voilà, au top côté déclaration, Everaldo Marie, un citoyen qui habitait dans la zone Belé-Axolino, lui mandé force l'audio pour Kembe là et pour Jean opération après poursuivre la côté d'après ça le fait qu'on a gagné un pile bandit qui gagnant commencé tomber. L'autre point dans l'actualité, coordonnateur général, Coupe la Sec, c'est dans une nouvelle organisation dans le secteur. Éducatif là, organisation ça, d'après sa responsable dit, il y a 17 stricti qui sorti dans 10 départements pays, hein, parmi stricti qui fait partie Coupe la Sec, nous capable de citer référence, nous capable de citer rentrer tout, comme organisation syndicale qui fait partie. Eh bien, il a lancé Coupe la Sec là, jeudi, Henri-Claude Lecomte, qui c'est coordonnateur général là. Il dit que stricti ça a gagné là-dedans 17 organisations qui sont dans 10 départements pays. Il dit organiser une conférence pour la presse pour faire passer revendication secteur éducatif là pour arriver dans les oreilles du conseil présidentiel transition avec premier ministre Gary Kony. N'a pas côté déclaration coordonnateur général Coupe la Sec là, c'est Henri-Claude Lecomte l'a parlé dans le micro Joubert Joseph. Sera, Redano, Kosepep, n'importe, Rapéède, pour une cité, c'est là seulement, nous gagnons honneur, avec respect, pour nous dire la presse, merci. Parce que, il y a une possibilité pour nous présenter, grand public là, nouveau coalition syndicat public, ça, qui sortit dans le secteur éducatif là, qui porte nom, COPLASEC, qui définit comme ça, coalition des plateformes et des syndicats pour une éducation haïtienne de qualité. COPLASEC, déjà, regroupé 17 organisations syndical qui sorti dans 10 départements pays à plus capitale Port-au-Prince. Syndicat Mamsayo, c'est tout syndicat qui déjà est bien inscrit et adhéré à dans syndicat ça. Coupe la Sec constaté, il y a un silence sur ça qui concernait état lamentable personnel secteur éducatif là dans tout niveau suite après gouvernement docteur Gary Kony puis installé. Non sans ça, les proches chimer la presse pour faire revendication secteur éducatif là rivé nos oreilles, conseil présidentiel là, premier ministre Gary Kony, et ministre d'éducation, professeur Augustin Antoine avant Pita Papitrice. Objectif Coupe la Sec, c'est renforcer et consolider tout syndicat qui membre Coupe la Sec. Dans l'idée pour Coupe la Sec, il y a une grosse force qui a poussé l'État haïtien à améliorer la qualité éducation en Haïti. Nous-mêmes, syndicat, membre Coupe la Sec, nous décidons de travailler ensemble pour atteindre l'objectif qui est bon pour chaque graine éducatrice. Éducateur qui est intéressé à l'éducation bon qualité. C'est peut-être ça. La souci pour petite malheureuse et malheureux qui fréquentait l'école l'État yojouen. Bon gens, éducation, bon qualité, pourtant apprentissage respecté dans tout pays. Comme ça, Coupe la Sec a lancé une mise en garde par l'État haïtien à travers le ministère éducation nationale et formation professionnelle pour éviter un gros soulèvement sans pareil dans le secteur éducatif là. Si revendication enseignants pas satisfait, pressé avant mon cabinet. Revenons dans le Coupe la Sec, c'est ouais petit enseignant. Petit enseignant apprend éducation dans l'école publique en Haïti à fierté, juste et tenir dans tel temps. C'est peut-être ça. Nous, la conférence pour la presse, Coupe la Sec, nous présenter tableau revendication principale par le gouvernement pour agir plus vite tant coup. Nomination pour tout personnel éducatif qualifié qui n'a pas à tout finissant CFF, PIA, INES, ENI et tout finissant la faculté sciences éducation. Deux, ajustement salaire pour tout personnel éducatif là par rapport à coût la vie. Trois, salaire en plein, tout enseignant qualifié qui travaille dans premier à deuxième cycle fondamental. Quatre, quatre débits, quatre avantages sociaux, éducation. Cinq, paiement intégral, tout arriéré salaire pour tout
employé à contractuel yo et puis paiement pré-probation pour quatre dernières promotions c'est fait yo cap souffrir l'argent probation dans budget ministère finance depuis l'année 2004 côté l'argent probation c'est fait yo passé 6 restauration l'école publique yo qui en dégrabe yo et puis construction l'autre l'école publique bien équipée en matériel didactique et pédagogique pour permettre petite soyette yo joine bonjour l'école publique côté y a apprendre et bien yo c'est même monde avec tout le monde et de considérer tant que monde.